Salut Londres, on se retrouve pour la suite sur Kingdom Come Deliverance. Et on avait des missions en cours. Faut que je chasse des lièvres. Faut que je vole un seau. Je vole des trucs à Talmberg. On va essayer de chasser des lièvres, je pense. Venez en aide à votre. Et il faut que je récupère de l'argent pour m'acheter les choses de Nuremberg. Je sais pas si c'est bien les forêts pour chasser par là. Ce qu'on peut faire, c'est aller au camp des bandits suivants. Et si on trouve du gibier en chemin, on s'arrête et on le tue. Je me trompe pas, c'est par là. C'est tout ce que tu as dans le ventre. Par pitié, je me rends. Abandonne ton arme et tu pourras partir. Si tu insistes. Je comprends pas. Ils voulaient m'arrêter, mais ils ont été terrifiés ou quoi? J'en ai épargné un. Pourquoi ils étaient pas armés? Pourquoi ils se sont rendus dès que je suis arrivé? Je leur ai fait peur? Faut croire que je leur ai fait peur, hein? Peut-être qu'en comparant nos stades de combat, ils ont jugé qu'il valait mieux abandonner, mais bon. On va continuer à collecter les sous des gens. Allez, je te laisse tes vêtements, toi. T'as de la chance. J'ai besoin de sous pour mieux les protéger des bandits. Ça va de soi. Il n'y a pas de chemin là. Ça doit être plus loin. Ah ouais, c'est un peu après là-bas. C'est où exactement? Côté de la rivière. Allons par là. Alors, ça, c'est une herboriste. Seigneur, veillez.
Ah, on peut lui acheter des plumes noires, j'en aurais besoin pour un truc. Je suis très mauvais en alchimisterie pour l'instant, j'en ai pas encore fait. Enfin, dans cette partie, j'entends. Mais un jour, faudra que j'essaie avec vous. Alors, nous voilà dans la zone voulue. Et y a... Oula, il y a déjà un garde là-haut. Qui va là? Personne. Oh non. Hey, vous tous, venez ici, donnez l'alerte. Ils sont nombreux, je vois pas leurs armures. What? J'ai pas d'arc? Non. C'est pas normal ça. Qu'est-il advenu de mon arc? Oh oh. Il y a un homme mort. Commençons par lui. Hop. Je crois que ça va me plaire. J'aimerais que tu évites de me massacrer. Oh là là. T'appelles ça un combat? Non, j'appelle ça une fuite. Où est mon cheval? De soucis, hein. Ah mince, il peut passer. Quelque chose. Il y a un brigand parmi nous. Ah. Regardez tout. Elle s'est rendue compte de quelque chose. Ah bah oui, on le voit. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Il y a un brigand parmi nous. Bah je cours. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je vois des brigands par là. Faites attention. Là-bas, c'est un assassin. Faites attention. J'aperçois un ennemi. Qui va là? Personne, y a personne. Retourne doucement chez toi.
Qu'est-ce que c'était que ça? Mes prières sont exaucées. Pourquoi il s'est retourné? Je voulais passer mes nerfs sur quelqu'un, justement. On a les genoux qui tombent. Pourquoi s'est-il retourné? Oh là là! J'ai pas gardé mon arc. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je devais l'avoir de déséquipé et du coup je l'ai mis dans le coffre avec les autres armes. Désolé, madame l'herboriste. J'espère qu'au moins, si on croise les gardes ils tapent les brigands. Qui restent pas passifs. C'est là-haut le camp des brigands. Qui va là? Et la voix était beaucoup trop proche à mon goût. Viens par ici, pleutre. Hé, hey, vous tous, venez ici. Je crois que ça va me plaire. Donnez l'alerte. Attention. Il m'esquive bien. Rien du tout. Que se passe-t-il ? Qui va là ? Aux armes ! Par ici ! Par ici, vite ! Donnez l'alerte ! Attention ! J'aurais tout vu. Hey, vous tous ! Venez ici ! Donnez l'alerte ! Ils sont nombreux, on dirait. Ouais, on Allez va se tirer. J'aurais voulu piller les deux juste avant qu'ils arrivent, mais. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Il y a un homme mort. Il n'y a pas trop moyen. Ils m'ont fait tomber. Je vais te massacrer.
C'est un précipice là-bas, tout à fait. C'est tout ce que tu sais faire. Là, présentement, ouais. Bouah. Tout ce que je sais faire, c'est fuir. Appelle ça un combat. Ouh. Ah. On a les genoux qui tremblent. Un peu, oui. Ouais, mon cheval. Bon sang de mon Dieu. Déjà contre un, c'est un peu dur. Y'a l'autre qui me tape pendant ce temps-là. Lâchez-moi. J'aimerais pouvoir bouger. Je peux plus rien faire, il me tape le temps que je fasse quoi que ce soit. Ah non, mais alors glitché par un buisson là. Ah, il va falloir y aller plus discrètement. Je suis pas vraiment en mesure de les affronter. Ils sont tous très bons à l'épée. À l'arc, c'est déjà beaucoup plus faisable. Ah, ils font le guet en hauteur, près des endroits dégagés. Ça m'arrange pas beaucoup. Donc, on va contourner. Doucement. Je te conchis, fils de chien. Moi aussi, la dernière fois, c'était quand je chopperai le connard qui me l'a prise, je vais lui réduire la gueule en purée. Ils ont la même discussion. Ils discutent par groupe de deux. Que se passe-t-il ici ? Rien. D'une bonne bagarre pour me remonter le moral. C'était quoi ce bruit ? Donnez l'alerte ! Attention ! Aux armes ! Par ici, vite ! Par ici, rien du tout, ils m'ont pas vu. Voilà.
Oh non, ils sont tous en train de rentrer. Oh. Que se passe-t-il ici? Aux armes, par ici, vite! Hé, hey, vous tous, venez ici, donnez l'alerte! J'ai déjà éliminé un gros camp de bandits en les tuant tous à l'arc de loin. Ça pleuvait, j'étais en haut d'une colline à peu près comme ça. C'était moins bas, le sol était plat en bas de la falaise grosso modo. Ouais, le sol était plat et en leur tirant dessus, je tirais sur un, ça ameutait tout le monde. Et ils se retrouvaient tous au même endroit et le sol était criblé de flèches. J'ai pris beaucoup de temps. Mais j'en ai tué à peu près la moitié avec des flèches. Et donc j'ai réussi à me débarrasser du gros camp tout seul. C'était une mission, mais on pouvait recevoir de l'aide pour ça. Que se passe-t-il? J'arrête de boire pour aujourd'hui. Hey, qui va là? Personne? Qu'est-ce que c'était que ça? J'aurais tout. Un porc qui bat de son plein gré à l'abattoir. Ah, j'ai vraiment du mal à les tuer. Hey, vous tous, venez ici, donnez l'alerte! Alors viens, tout seul. Tu vas le payer cher. Arrête de crier, donnez l'alerte. Donnez l'alerte! Attention! Voilà. Alerte! Ne fais pas tomber, please. S'il te plaît. Ah, c'est une épée lourde, mon épée. Ouais, ce qui explique qu'elle fasse autant de dégâts aussi, mais... Tu vas te me... À pleurer. Une fois que je t'aurai tué, peut-être. Pour tes pauvres parents. Enfin, ils sont peut-être morts, peut-être tes enfants. Lui, c'est une épée à une seule main. Et plus facile à battre qu'un garde, hein, je pense. Aïe. Ça dépend aussi de son armure. On est peut-être à stuff inégal. Je sais pas qui a le meilleur stuff d'ailleurs. J'ose espérer que c'est moi. Au moins, là je pense que j'ai une meilleure épée que lui. Parce que franchement j'ai une bonne épée, 55. Mais il doit être plus fort et plus agile que moi. Et pouvoir porter plus de poids. On va essayer notre combo. Aïe.
tremble. Ça suffit. De grâce. Je... Non. Pas de grâce. Tu m'as trop embêté pour ça. On va pas prendre les trucs qui valent vraiment pas grand chose. Ouais, déjà là, l'armure que j'ai prise. La plupart des trucs qui valent quasiment rien. Alors on en a eu un. Ça va nous prendre tout l'épisode, le camp. Comme je suis pas bien stuff. Nehavas. Rien du tout d'ailleurs. Nehavas Bonafero. Je suis sûr lui il va venir voir. Qui va là? Voilà, il s'est retourné parce qu'il avait senti que j'étais là ou alors entendu. Alors, il y en a un qui s'éloigne et les autres qui s'approchent. Qui se... Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Mais viens voir par là, quand même. C'est, par contre, c'est vachement dur à voir. Oh, il a allumé sa torche puis éteinte. Que se passe-t-il ici? Hé, hey, qui va là? Bah, venez voir. Éloignez-vous un peu. Qu'est-ce que c'était ? Tu ne fais rien. Par contre, il y en a d'autres. On en a eu deux. Qu'est-ce qu'on va voir? Tu vas prendre ton arc. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Oh, oh, oh. Un autre qui en profite. Complètement. Lâche-moi, bon sang. Alors, il est là. Il va prendre le chemin. Est-ce qu'il va aller à droite ou à gauche? Ah, ou alors est-ce qu'il coupe à travers bois? Il coupe à travers bois. Il a viré sa torche parce qu'il m'avait entendu. Ça. J'ai toujours pas d'arc. Non. Il est courageux de venir jusqu'ici.
Tu m'as encore repéré. Je crois que ça va me plaire. Ouais. T'appelles ça un combat? Oui. C'est peut-être le chef. En tout cas, je suis pas assez furtif pour qu'il me voit pas. C'est toujours un bon coup ça. Il donne un coup, hop, manqué, et hop, je te donne un coup. Sur la tête en plus. Joli coup. Aïe. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Oh bon sang. Ah, il y a un mur là. Alors. Alors par contre, je l'ai perdu de vue. Il est là-bas. Va falloir que je cours vite, s'il m'entend. Là, on est dans les herbes hautes. Qu'avons-nous là ? Comment c'est, comment il fait pour toujours me voir ? Il me faudrait un arc, hein. Chut. J'ai quoi en... Ah, sans bruit. Là, il devrait pas m'entendre. Le truc c'est que si il m'entend pas, par contre il peut me one shot sans armure. On peut essayer hein.
On va passer en mode discret, discret niveau bruit. Hé, hey, qui va là? Comment qui ça? Que se passe-t-il ici? Ah, je suis vraiment pas assez furtif, hein. Votre génération d'endurance ne ralentit pas même au combat, même lors du pas d'élan. Maîtrisez votre adversaire. On va prendre main de fer. Hop, en agilité, on va prendre poids plume. Moins de dégâts sur les chutes, je suis preneur. Ensuite, on va prendre sanguinaire parce que je compte pas avoir une lame abîmée. Ça, je ne vais pas encore trancher. Est-ce que mon cheval portera beaucoup ou pas? Hé, hey, qui va là? Ah. Qui va là? Qu'est-ce que c'est? Bon, on va pas prendre le risque. On va renfiler tout ça. J'ai peut-être des trucs à réparer. Ah non, l'auberge de Bavière est trop abîmée. Qu'est-ce que c'était? C'est tout ce que t'as dans le ventre? J'espère que c'est le chef. Malédiction. Ah. Un bouclier ordinaire super lourd il avait. On va prendre une torche. Voilà. J'ai tué le chef du campement. Épée de maître chasseur. Ah, c'est trop bien le flambeau qui fait la lumière. Épée de maître à chasseur, elle fait combien? 45-40. Je pense que lui, il a peut-être toute l'agilité qu'il faut. Moi, c'est pas le cas, mais lui peut-être. Ouais, mon cheval. Là, tu m'as sauvé la vie plus d'une fois, hein. Je te remercie. Là-bas, il y a des maisons. On va aller aux maisons. Ce sera plus simple pour se repérer. Bon, on aura eu le chef. On va dire que le chef importait plus que les autres. C'est d'ailleurs le cas. Puisqu'on peut terminer la mission juste avec le chef. Ça, si on est bien où je pense. Ouais. On est au Hara. Bon, il manque vraiment beaucoup de furtivité pour que, même sans mon armure, sans faire aucun bruit, j'arrive à me faire repérer par des gens. Donc on va s'entraîner avec les gens avec qui ça marche, jusqu'à ce que ça marche pour les bandits costauds comme le chef de bandit. Oh, une barrière. Là, le chef de bandit, il n'y avait vraiment aucun moyen de l'attaquer par derrière. Heureusement, il devait saigner à la fin.
Il a fini par trépasser à cause de ses blessures. Moi, j'ai pris une embocation. Alors. Que Dieu me protège. Oh non, je peux pas m'attaquer à quelqu'un qui vient de me dire que Dieu te protège, Henri. On va dormir. La question c'est est-ce que je garde tous les équipements d'armure sur moi? La réponse va être probablement oui. Et les arcs, il n'y en avait pas? Non. Peut-être qu'on peut acheter un arc bien pour moi. Près du maître chasseur, je pense. Ce serait logique que ce soit lui qui ait les arcs les plus adaptés. Qui ait les meilleurs arcs parmi les marchands. Mais pour ça, il va falloir au moins qu'il fasse jour pour que les boutiques soient ouvertes. Pour les tournois, je pense que j'ai rapidement enchaîné les quêtes. Je vais à la chasse avec Seigneur Anscapon, puis je me retrouve au bain, ce que j'avais pas fait dans les autres parties que j'ai faites. Du coup, je me suis retrouvé avec un équipement et un niveau de force et d'agilité faible. D'accord, j'ai été somnambule. Je suis super loin, puisque je suis au moulin. Alors que j'étais à l'autre bout de Ratay. Sur la carte, je peux vous montrer où on était. Donc je suis passé par Neuilhoff, le camp des bandits il était par là. Et je me suis endormi à la taverne. Et je me suis retrouvé ici. J'ai déjà été somnambule, mais alors à ce point... Ah, monsieur le meunier. Eh, hey, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de Ratay? Ah, il y en a un nouveau? Non, ça me tente pas parce que j'ai déjà perdu, mais... Est-ce que je suis trop lourd pour monter l'escalier? Puisse Dieu vous protéger, pro-chevalier. Que puis-je faire pour vous? J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens. D'accord. Voyons ce que je peux faire. Ah, il a rien gagné comme sous. Au moins les combats avec les bandits m'ont permis de gagner de la force. Je crois que j'ai gagné un niveau en combat aussi. C'est toujours ça de prix.
Il m'a demandé quoi, le vagabond? D'aller à l'aide d'Echko. Alors ici, je présume que c'est fermé. Alors allons voir le maître chasseur. S'il est réveillé. On va temporairement mettre tout ça. Donner tout ça au cheval. Eh ben, bonjour. Non, je n'étais pas en train de crocheter votre porte, hein. Pas de souci. Je vous souhaite une bonne santé. Merci, merci. Et la suite au prochain épisode.